Bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 59 de la 2 chevaux spot. Alors, pour ce numéro 59, on est à un numéro de la moitié de la collection. Donc on a le tapis de sol arrière, donc même matière. Donc petite étape encore hein, cette fois-ci. Donc voilà, on va venir coller tout ça, le mettre en place, et puis voilà notre résultat final. 1961, l'arrivée de l'ami 6. Ouais. Photo d'époque et tout, ouais. Petit voyage dans le temps, c'est sympa. C'est sympa. Ah oui, là, c'est vraiment... vraiment d'époque. Elle avait vraiment une forme assez bizarre. On dirait qu'il en manque un bout ici. Elle a été découpée. On verrait plus un truc arrondi comme ça. Enfin bon, c'est vrai qu'elle avait une forme un peu bizarre au niveau de l'arrière. Allez. Ah ouais, alors là. Le bucéphale, l'oriental. Ouais. Donc, petite deux chevaux cabriolet en plus. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, les pièces du numéro 60, les pièces du numéro... Moitié de collection, cette fois-ci je me loupe pas. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'armature du dossier et sommier du siège conducteur. Donc on va commencer les sièges. Alors là, je pense que les sièges, on va en avoir au moins pour 4 numéros par siège. Hein. Ouais, ça me fait un peu peur. Allez, on va regarder cette pièce du numéro 59 tout de suite. Donc voici notre pièce au numéro 59, donc toujours cette pièce caoutchouc, très très agréable au toucher, franchement c'est vraiment, ouais, j'adore cette matière là, ce petit rendu que ça va donner, ouais, bon, pièce, enfin caoutchouc assez épais en plus, ouais non franchement regardez, l'épaisseur elle est quand même assez conséquente quoi. Voilà, et puis bien sûr, puisque ça va être le même principe, hop, je vais les sortir tout de suite. Deux bandes adhésives, double face, pour venir coller tout ça. Hop, j'ai réussi, non je le crois pas, j'ai réussi à rater. Voilà. Voilà, donc deux petites bandes adhésives. Allez, on est parti pour le montage. Donc, alors, première étape, on va venir décoller la première face de ce double face, justement. Et on va venir à cet endroit, à peu près. Et les coller comme ceci, donc en fait on va former un espèce de V avec nos deux bandes adhésives, donc de chaque côté comme ceci. Bon, après l'emplacement exact hein, je pense pas que ça ce soit très très important, le principe étant voilà de les positionner à peu près comme ceci. Alors, étape suivante, hop, on va venir récupérer notre plancher. Alors, avant toute chose, on va positionner notre pièce, bien sûr, comme ceci. On fait passer les deux ceintures dans l'espèce de triangle qu'il y a là. Voilà, comme ceci.
Je vais juste vérifier que tout se positionne correctement. On doit avoir, oui, voilà, on doit avoir quand même un petit jour entre les deux. De toute manière, notre tapis, en fait, ici, nous avons quatre petites encoches qui viennent, vous voyez, le mettre en place. Donc, il a vraiment sa place bien déterminée. Donc, maintenant, on va venir enlever les protections au niveau du double face. Hop. Lumière. Et voilà pour la deuxième. Donc il s'agit maintenant de refaire la même. Et donc voici qui est fait. Donc là on a notre tapis de sol avant et arrière de poser. Vraiment, on a vraiment une matière. Ouais, franchement, j'adore. J'adore en toucher, c'est vraiment très très agréable. Voilà, bon, et bah écoutez, on avance petit à petit sur cette collection. On a quand même, vous voyez, une belle pièce là qui se peaufine. Numéro suivant, on aura, on aperçoit que là ça baille un peu. Bon, de toute manière, je pense qu'il y a une pièce qui va venir coller tout ça. Donc, on va commencer bientôt l'assemblage des sièges. Ouais, on a quand même pas mal de boulot à faire sur cette collection. Allez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao, ciao.